Aujourd'hui, on revient sur les fameuses news qu'on a eues sur Avengers Doomsday, Avengers 5, qui a été changé plein de fois. Ils ont changé de direction à de maintes reprises pour plein de raisons différentes. Le multivers, c'est très confus, les gens n'apprécient pas forcément, ne comprennent pas forcément, il y a des incohérences. Et aussi parce que Jonathan Majors a été condamné et du coup, il ne pourra plus incarner le personnage de Kang. Et surprenamment, on a décidé de virer le personnage de Kang, ou en tout cas de ne plus le dépeindre comme le nouvel antagoniste de cette saga du multivers. Alors, mettre le Docteur Doom à la place, moi je dis très bien, mais virer complètement Kang, j'ai envie de dire ouais, parce que, ok, même si le film était éclaté au sol, donc Ant-Man Quantumania, il y a quand même des petits teasings, il y a quand même des petits trucs sur le conseil des Kang, Ramatut, Immortus, même s'ils étaient chelous, un peu bizarres, et que Jonathan Majors devait trouver un jeu différent pour chaque variant. Bah, c'était quand même rigolo, mais en même temps assez malaisant de voir ça. J'étais en mode, ouais, c'était spécial. Mais le Conseil des Kang, quand même, c'était quand même sympa de voir le Conseil des Kang. Donc, moi, pour moi, il devra clôturer Avengers Doomsday, devra clôturer le film. Le film devra se clôturer avec la fin de Kang, pour moi. Là, ce sera la fin de Kang, je le dis direct. Et l'apogée du Docteur Fatalis, quoi. Donc, qui sera incarné par Robert Downey Jr. Et là, ça m'a un peu posé problème, donc très brièvement, mon avis sur ça, je me suis dit, j'ai vu ça, j'ai fait. En fait, pour moi, c'est un prétexte. C'est un prétexte parce que Robert Downey Jr., à l'époque de Iron Man, il commençait à sombrer, voilà, donc c'est ça grâce à ça qu'il a pu avoir relancé sa carrière et donc pouvoir être de nouveau. Voilà. C'est ça qui a beaucoup marqué donc les légendes. Et forcément, c'est grâce à ça qu'il a pu donc remonter la pente. C'est cool, donc faites revenir un variant de Iron Man. Mais en même temps, je pense que s'ils ont fait ce choix, c'est parce qu'il faut ramener Robert Downey Jr. Mais en même temps, ils se sont dit, si on le ramène en tant que Iron Man, même variant, il y aura le même effet que pour Hugh Jackman avec Wolverine, par rapport à Logan. C'est-à-dire que il n'y a aucune conséquence, les personnages sont morts, mais ils peuvent ressusciter, hop là, ils peuvent revenir en arrière. Et du coup, il n'y aura pas d'affect. Donc, on ne touche pas à Endgame, on ne touche pas à Endgame, mais là ils vont dire oui, mais ça peut être un variant, un double. Non, même ça, on n'y touche pas et tout. Quoique, après, il n'est pas impossible qu'on retrouve, quoi qu'il en soit, un autre Iron Man qui sera incarné par Robert Downey Jr. Toujours est-il qu'il y aura un Robert Downey Jr. qui incarnera Fatalis. Et là où je ne savais pas, où j'ai vu des nouvelles avant de faire la vidéo, c'est que apparemment, dans les comics, Tony Stark aurait une version de Tony Stark dans le multivers, les comics auraient mal tourné. Et serait devenu donc un équivalent du Docteur Fatalis, comme Victor Van Doom. Et donc du coup, ce serait lui la némésis de son univers, donc notamment qui serait donc le fameux dieu du Battle World, et qui aurait donc pris les choses en main pour pouvoir sauver le monde, les univers, donc des incursions, des catastrophes multiverselles, etc. À voir ce que ça peut donner, mais personnellement, je suis assez perplexe, assez réticent. Je me dis que ça peut être sympathique. Mais en fait, c'est pas forcément non plus une très bonne idée. En fait, c'est moi, ça me perturbe. En fait, ce qui me perturbe, c'est que un acteur tel que Robert Downey Jr. le voir incarner deux personnages gros, deux gros personnages donc de l'univers Marvel, parce que Iron Man, surtout dans Infinity Saga, c'était pas n'importe qui. C'était donc lui qui a sauvé donc la situation, qui a arrêté définitivement Thanos qui a récupéré les gemmes dans le passé. C'est donc lui qui a grossièrement avait un gros rôle là-dedans. Et tu veux faire le méchant de lui, le méchant de la prochaine saga? C'est un peu. Ce serait assez ironique justement qu'il a été donc le gros modèle par excellence donc des Avengers donc dans l'univers Infinity Saga et qui est littéralement la némésis, l'antagoniste donc de la nouvelle génération avec les Young Avengers et puis les nouveaux Avengers qui vont se rassembler. Mais personnellement, moi je n'aime pas trop l'idée en fait. Je trouve ça me perturbe beaucoup en fait. Parce que pour moi, quand je vais voir Robert Downey Jr. dans Marvel, je l'associe forcément à Iron Man. Je l'associerai jamais au Docteur Fatalis, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour revenir sur le film, apparemment le film sera très ambitieux. Et là aussi, il faut faire très attention avec ça. Parce qu'ils ont dit que ce serait donc la production la plus ambitieuse, la plus. La meilleure donc, qui travaillait, qui a eu depuis Avengers Infinity War, et qui sera donc même bien mieux que Avengers Infinity War. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, qu'il y aurait donc genre 60 héros qui seraient super-héros, qui seraient réunis, Captain America, Shang-Chi, Thor, peut-être il y aurait même aussi donc Doctor Strange, Cléa, peut-être même aussi Hercule, qui aurait Moon Knight, qui aurait donc plein de qui aurait Star-Lord, etc. Et qui seraient tous donc sur un pied d'égalité. Alors ça, je suis assez sceptique, et en plus 60 personnages, c'est beaucoup.
Du coup, le film serait réalisé par les frères Russo, donc les mêmes qui ont réalisé les derniers films Infinity War, ainsi que les derniers films Captain America. Donc ça c'est cool, par contre je suis très content que les frères Russo reviennent, c'est génial. Parce qu'ils ont fait un super travail pour ces films, surtout avec Infinity War et Endgame, qui restent les meilleurs films de top 5 du MCU. Qui avait plein de moments, alors il y avait même comme je disais, du Namor, du Black Panther, parce qu'en même temps, oui, c'est cool, du Hulk et du She-Hulk, mais en même temps, pour Hulk, j'espère qu'il y aurait donc le retour du vrai Hulk. Concernant la suite des rumeurs, apparemment, il y aurait donc The Cosmic Circus qui avait dit que le film Avengers Doomsday aurait donc une tournure similaire à la seconde moitié de Avengers Infinity War. Et ça me plaît beaucoup parce que c'est justement l'une des meilleures parties, c'est la meilleure partie du film. Surtout sur Titan. Alors ça se passera pas sur Titan, mais ça se passera peut-être au TVA. Ils ont dit qu'il y aurait au TVA. Et j'aimerais trop voir un combat Loki contre Doom. Et donc comme je disais, oui, donc on pourrait peut-être revoir le TVA, Mobius, ça peut être cool. On avait déjà revu B15 dans Deadpool et Wolverine, attention, voilà, mais spoiler. C'est que j'avais déjà dit qu'on avait déjà dit que Yggdrasil, donc le nouveau arbre, avec toutes les branches multiverselles, que Loki a dressé et a pu récupérer, sauver, et ben ça va être le nouveau gant de l'infini qui va donc attiser toutes les convoitises, notamment celle de Kang, qui va vouloir le reprendre, le Docteur Fatalis. Mais à mon avis, j'ai une théorie là-dessus, je pense qu'il faut quand même introduire les nouveaux variants de Kang, notamment un chef Kang qui sera avec le Docteur Fatalis, qui sera son allié, et dont il va se débarrasser. Pour moi, le twist, je le vois déjà d'ici, au cas où il y a déjà un acteur pour jouer Kang ou un de ces variants, je le vois déjà d'ici que Doom va le tuer à la fin pour dire ah, j'ai juste besoin de tes connaissances. Voilà, et ok, je te donne toutes mes connaissances, tous les trucs clés, les mots-clés sur le flux temporel sacré, le voyage dans le temps, le voyage dans le multivers. Et une fois que je sais tout, tu disparais, comme ça je sais tout, et voilà, je prends ta place, littéralement. Et je prends maintenant la place de Loki, il va essayer de prendre la place de Loki, et du coup je vais sauver le multivers avant qu'il agonise, avant qu'il ne sombre dans l'agonie la plus totale. Je vais prendre les choses en main, et puis ça va pas vous plaire, je sais que ça va pas vous plaire, il y aura des morts et tout, mais il y aura peut-être des similitudes avec Thanos, genre il y en a qui vont mourir, mais pour permettre à d'autres de survivre et tout, ça va être un peu comme Thanos, je pense. Mais en même temps, il y aura peut-être des petits détails, des petits trucs qui vont nous rappeler Thanos, que ce soit dans le niveau des références, des détails. On le sait, on le sent. Même si je pense que le film va prendre une autre tournure, encore une fois, même s'il précise que les frères Russo vont reprendre un petit peu ce qu'ils avaient déjà fait comme base dans les films Infinity War et Endgame, c'est-à-dire que le méchant va gagner, on le sait peut-être, et qu'à la fin, ils vont revenir en nombre, ils vont revenir ensuite en nombre, en force, pour l'arrêter dans le Battle World. Et c'est ça qui va être cool, c'est qu'on va revoir plein plein de personnages dérivés de plein d'univers et donc plein de mondes différents, des personnages qu'on a connus dans notre enfance, dans les années 2000, Toby, Andrew, etc. Et d'autres qu'on ne connaît pas, ou alors des héros qu'on connaît, mais avec de nouveaux acteurs qui vont revenir. J'aimerais qu'il y ait un peu des deux, autant des acteurs qu'on a déjà connus dans les rôles respectifs de leurs héros, comme Toby et Andrew Garfield, ou d'autres héros qui incarnent les héros connus de Marvel, mais qui n'ont pas été connus pour les avoir déjà joués. Donc on sait que le tournage devrait se dérouler à Londres pour la deuxième partie de 2025, et que le film sortirait vers 2026. Bah, après, on ne sait pas trop, ça peut encore changer d'ici là. Mais c'est ce que les frères Russo devraient commencer à tourner l'année prochaine. Et concernant les 4 Fantastiques, pour les 4 Fantastiques de 2025, le film est toujours prévu pour 2025, comme Captain America et Thunderbolt. Et le tournage a commencé, et normalement, attention, il devrait y avoir le Docteur Fatalis devrait être introduit dans une des deux scènes, ou dans la scène post-générique, post-crédit des 4 Fantastiques. Et on va normalement essayer de nous introduire en quelles sont vite fait ses intentions, ses enjeux, et qu'il y a une connexion directe avec les 4 Fantastiques, et que les 4 Fantastiques seront également présents parmi les 60 personnages. En même temps, quand on dit à 60 héros, il y aura quasiment tout le monde en fait, hein. Il y aura quasiment tous les héros connus qui ont été introduits d'ici là, même peut-être même certains X-Men, peut-être même Deadpool et Wolverine de l'univers 10005 ou 10006. Parce que c'est pas impossible qu'ils reviennent, hein, ces héros-là, parce que c'est cool. Mais pour moi, les 4 Fantastiques auront un rôle, Deadpool aussi, il aura un rôle, même si minime, et Wanda, peut-être qu'il y aura le retour de Wanda également, ce serait trop cool de tous les revoir, avec Doctor Strange, qui aura toujours un rôle
plus ou moins pivot. Et du coup, en gros, on aurait donc Fatalis qui serait introduit dans les 4 Fantastiques, et encore une fois, c'est logique. Parce que si, en même temps, à quel moment tu veux qu'ils soient introduits, le Docteur Fatalis hein. Si c'est pas les 4 Fantastiques, c'est quand? Ça va, au bout d'un moment, on avance quoi, je suis désolé, hein, plus on avance. Mais mon avis là-dessus, c'est que je suis... je pense pas trop que Avengers Doomsday sera la meilleure production Marvel depuis Avengers Infinity War. Je n'y crois pas. J'y crois pas. J'attends d'être surpris, j'attends de voir ça. Mais quand j'entends ça et que je lis ça, je me dis non, je n'y crois pas trop. Et pour ce qui est donc de Robert Downey Jr. dans le rôle, pareil, je me dis, ok, j'entends que Tony Stark vire un peu et prend un chemin un peu où il va se lancer dans la magie et puis donc dans l'obscurité, le côté occulte est un peu obscur. Mais à voir si donc comment ça sera travaillé. Peut-être que ça peut être bien amené, mais encore une fois, ça risque de me perturber beaucoup si c'est Robert Downey Jr. En tout cas, on se retrouve à très très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez sur tout ce que je viens de vous dire sur Avengers Doomsday, et à la prochaine.